Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. D'abord, je vous présente les nouveaux copains. Je vous présente le nouveau copain, Smokey. Bon là, il est un peu foufou. Il est arrivé hier à la maison. C'est un garçon. Litchi, pour l'instant, elle l'a pas adopté. Elle a vraiment peur de lui. Et elle fait que faire des chiens et tout comme ça, là. Je le laisse par terre un petit peu. Du coup, je me suis barricadée dans la chambre avec lui. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, prochainement, à chaque fois, je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Donc, pour ceux qui connaissaient pas, j'avais déjà un petit chat. Donc, femelle Litchi, qui a maintenant un an. Et du coup, hier, j'ai craqué. En fait, j'ai offert un chat à ma belle-mère qui est en fait la sœur de Smokey, et en fait du coup j'ai craqué sur Smokey, du coup je l'ai pris. Voilà, c'est des... Par contre, il est en train de jouer avec mon chargeur. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je suis complètement dégueulasse, je vous le dis. Je suis en jogging, t-shirt large, j'ai les cheveux en pétard. On a sorti les lunettes parce que je suis fatiguée. Saut naturel, en pyjama, dégaine du dimanche. Je vous explique aujourd'hui le thème de la vidéo. Ça va être, on réorganise mon dressing. Et pas que, je pense, mais on est surtout là pour le dressing. Je vous explique. En fait, on a emménagé du coup ici. J'avais un dressing hiver. Donc là, il commence à faire les beaux jours. Mais c'est surtout que, voilà, je le dis, c'est pas un secret, je suis une grande bordélique des affaires. Voilà, j'ai eu beau avoir des cours d'organisation, j'avais ma belle-mère qui, clairement, était hyper maniaque et qui m'a toujours appris à bien plier mes affaires. J'ai travaillé dans la vente, donc je sais bien plier les affaires au centimètre carré. Mais en fait, voilà, pour tout ce qui est le rangement extérieur de la maison... genre tout ce qui est bureau, ménage et tout, je suis mais parfaite. Mais les habits, je sais pas ce qui se passe. C'est toujours un bazar. Donc voilà, déjà très régulièrement je range mon dressing. Et vous aviez adoré la vidéo où je faisais le ménage avec vous de ma maison. Donc je me suis dit aujourd'hui on va réorganiser mon dressing ensemble. Déjà là c'est les habits propres. Attendez, je vais vous montrer parce que quand même. Du coup, là, j'ai les habits propres que je viens de sortir de ma panière. Et je vais vous montrer l'état de mon dressing parce que vraiment, c'est... Voilà, c'est grand n'importe quoi. Donc là, en bas, bon, je viens de les sortir. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais tout bien rangé, mais les chats vont dedans. Donc, j'ai toutes les valises, les sacs et tout qui sont n'importe comment. Là, de base, ça devait être les chemises, les robes longues. Voilà. Comment vous dire, là, là-haut c'est censé être mes jogging et mes leggings, voilà, c'est n'importe quoi. Là c'est censé être mes jeans et mes pantalons fluides. Et là c'est censé être, je sais pas, tous mes t-shirts en bordel. En bas, oh, attendez, en bas juste ici c'était censé être mes jupes, mes shorts et les pyjamas. Et puis c'est parti clairement... en bibrine. Comment vous dire que je vais vous ouvrir le placard d'à côté. Du coup, le placard d'à côté. Là, je suis censée avoir tous mes pulls. Là, je suis censée avoir mes écharpes, mes ceintures, mes bonnets. Et là, toutes mes vestes. Et là, mes chaussures en bas. On n'en parle même pas. Parce que j'ai les chaussures là, mais j'ai les chaussures là-bas et j'ai les chaussures en bas. Donc voilà, je pète un câble. Le but, c'est déjà de faire un tri des vestes que j'ai pu mettre. Parce que même s'il ne fait pas encore super beau, les grosses doudounes comme ça, on est d'accord, à part pour aller au ski, je ne vais pas les mettre. Donc le but, c'est que je fasse un tri déjà de mes vestes. J'ai pour idée que tous mes t-shirts larges, je les pende. Mais je me dis, est-ce que je ne pendrai pas mes pantalons? Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de cintres. Donc il va falloir faire un choix. Mais je me dis, vu que j'ai beaucoup de t-shirts, est-ce que je prendrai pas
les pantalons là, comme ça fait grave la place pour les t-shirts, et je peux catégoriser mes t-shirts dans un nouveau truc. Je pense que ça c'est pas mal, parce que les pantalons, je peux mettre 2-3 jeans sur le même portant. Voilà, sachant que j'ai que des scènes comme ça où je peux mettre au milieu. Du coup, je disais, les chaussures, j'en ai là, j'en ai en bas, dans le placard de l'entrée. Mais en fait, je les quitte, je les laisse traîner en bas, donc c'est n'importe quoi. Et j'en ai aussi là, mais c'est n'importe quoi en fait. Donc, il va falloir que je réorganise ça. En plus, je me dis, si j'organise mieux, là aussi, la penderie, en bas, j'ai de la place. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je réorganise. Donc, je fais vraiment à la Walligan. Dans cette vidéo, potentiellement, il y aura Laura après qui va arriver, parce que en gros, c'est 15h, j'ai pas mangé, on était censé manger McDo ensemble, parce que hier, on a fait une petite soirée, et du coup, elle va arriver pour qu'on mange McDo, donc à tout moment, il y aura une pause McDo, et à tout moment, elle va m'aider à réorganiser mon dressing, sauf que Laura, c'est la même que moi, c'est-à-dire qu'elle aime pouf, elle met toutes ses affaires dessus, donc... Voilà, les fashion addicts, regardez pas cette vidéo, vous allez péter un câble. Bref. C'est mes habits d'été. La meuf, elle a grave une bonne idée. Elle a même pas fini de trier les habits d'hiver qu'elle a commencé les habits d'été. N'importe quoi. Ça me sert de fourre-tout. Ça me sert de rangement. Non, mais d'abord, il faut que je fasse le tri. Voilà, des vestes et des trucs que je vais plus mettre. Déjà pour libérer, parce que là, je peux pas remettre des trucs sur des trucs pas libérés. Vous avez capté ce que je veux dire ou pas? Vous avez capté. Bref. Déjà. Est-ce que je commence par les vestes? Mon kit qui joue avec mon chargeur. Du coup, ça c'est sûr, clairement, je vais pas garder les doudous comme ça. Ça me sert strictement à rien. Celle-là, en vrai, elle est cool, mais clairement, elle est hyper chaude. C'était la veste de ma mamie. Elle est hyper stylée. Ça, de toute façon, je l'aime plus. En vrai, tout le monde, je la donne. C'est moi, je suis une bordélique, regardez. Regardez ce que je fais. Au lieu de bien ranger mes vestes, je les accroche par les trucs là. N'importe quoi. Bon, ça en vrai, ouais, ça passe. Ça. Je l'avais acheté en Bretagne, il a une valeur sentimentale, je le garde. Il est hyper moche, mais pour traîner, il est hyper cool. Bref. Donc ça, je peux encore le garder. Ça. Ça, c'est un blazer, ok. Ça, ben, je le garde. Donc là j'ai trié mes vestes, j'ai tout mis dans la valise, là j'ai mis mes pulls, là j'ai mis mes ceintures, là il n'y a rien, là c'est mes casquettes et mes bandeaux, pardon, là je vais mettre mes collants et mes chaussettes je pense, parce que mes chaussettes elles sont mélangées avec mes culottes et ça m'énerve, donc à tout moment je vais mettre les chaussettes là, je vais ranger ça, trier là donc mettre les jeans, et après on s'attaquera au reste. Chaque chose en son temps. Et du coup, j'ai enlevé les écharpes et les bonnets. Parce que bon, je pense pas en remettre d'ici tôt. Donc là, on va s'attaquer après à ça. Mais je pense que je vais commencer par les jeans. Je sais pas 4 milliards de cintres, hein, en plus. Pas d'ambiance. We'll be right back.
étant trois pantalons de chaque, j'ai réussi. Il me reste même des cintres. Après, je pense qu'il me reste des pantalons en bas sur les tendoirs. Laura, elle vient de me dire qu'elle va bientôt arriver. Du tout, c'est 16h. J'ai pas mangé depuis ce matin. Parce qu'en fait, je pensais vraiment qu'elle arrivait tôt. J'en peux plus. Je suis la dalle. Et du coup, bon, voilà. Et là, il faut pas que je me pose, parce que si je me pose, je fais plus rien. Je laisse tout comme ça, je jette tout par terre et puis voilà, je fais plus rien. Après, du coup, on s'attaquera au gros sac qu'il y a là-bas, que monsieur est en train de jouer avec, pour mettre, mais du coup, mes habits d'été. C'est clairement mes habits d'été. Dans mon placard. C'est parti. J'espère que cette vidéo, elle vous motive à faire vos rangements. Oh là là. Du coup, je vais arriver à les peindre sur un portant, c'est ça la question. Je sais pas, on va voir. Mais ça, en tout cas, je vais mettre là-bas. Ça déjà c'est un pull donc ça dégage. Ça c'est les t-shirts manches courtes. Donc là j'ai fait un manche courte, manche longue. Et là en bas je sais pas, débardeur ou quoi. Ah mais tout en haut. Bah les jogos, bah, ouais, mais non mais si j'ai ça. Bon attendez, je suis perdue, on va déjà faire les t-shirts parce que sinon je vais jamais m'en sortir, hein, je vous le dis. Donc là je vais mettre tous les trucs, je vais pas m'amuser à les retourner, ils sont propres, abusons pas non plus, c'est bon. Je vais pas tout refaire. Ça c'est les t-shirts larges. Est-ce que je mets les t-shirts larges à les t-shirts courts? Parce que c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? Vous, ça va sinon? Vous vous éclatez dans vos vies? Est-ce que vous passez vos dimanches à faire ça? Après, moi, je dis... Oh, tous les week-ends, je dis, ouais, il faut que je me repose. Et tous les dimanches, je vrille. Et je fais des rangements. Genre là, là aujourd'hui, c'est le placard. Après, dimanche prochain, ça va être la bianderie que je veux réaménager. Après... Ça va être la salle de bain. Et après, ben, je sais pas. On verra. C'est déjà pas mal. Mais après, du coup, j'attaque la semaine. Ben, je suis pas du tout reposée. Et je me dis, oh, j'aurais dû me reposer. Ouais. En fait, le truc, c'est que pour moi, j'aurais rien de plus important que de se sentir bien dans sa maison. Et vraiment, en fait, tant que toutes les pièces, elles sont pas organisées comme je le pensais. Au moment où j'ai pris cette maison, tant que ma maison elle n'a pas abouti à vraiment être comme je voulais, ben ça n'ira pas. Est-ce que genre les cols roulés, je les garde? Non. Hey, souris relève quand je ressors de la banque. Quand ma chérie me snap, qu'elle me dit qu'elle est en moque. Je ne sais toujours pas où le bonheur se planque. J'ai le cœur confiné dans un temps. Les gens ils mélangent tout. Comment vous faites? Je peux pas, ça me stresse. Pas mes t-shirts manches longues, mes t-shirts manches courtes. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Angoisse. Bref. Pas super bien rangé, mais j'ai fait mon possible. Là je vais trier ce que je veux prendre déjà de là. Après il y a des trucs vraiment, c'est vraiment été, donc je vais le laisser là et je mettrai du coup avec le reste. Après je vais trier ça, mais là il y a pratiquement rien à trier. Et après on va ranger les sacs et les chaussures et ce sera finito les gamins. Est-ce que c'est normal ça? Smoky. Ouf. Là j'ai les t-shirts, là en haut je vais pouvoir mettre les draps. Au final j'ai trié tout ce que je voulais, il n'y avait pas grand chose, donc il y a les robes. Là j'ai pu mettre du coup ben, les jogging, les pyjamas et j'ai pu mettre tous mes shorts et mes jupes ici avec les trucs, voilà.
Oh, cette petite crapule. Cette petite crapule. Tu fais que sauter partout. Écoutez les amis, c'est une fin de vidéo. Nous avons tout rangé, tout est terminé. J'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les concepts comme ça vous plaisent. Je pourrais faire une vidéo sur l'aménagement de ma buanderie, sur l'aménagement de ma coiffeuse aussi, peut-être rechanger quelques trucs. Peut-être pareil pour le bureau quand on va le changer, la salle de bain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce genre de vidéo, organisation, aménagement, etc. vous plaisent. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.